pas capable de te dire c'est quoi ta couleur de yeux puis tout ça là. Tu sais, je vois vraiment c'est en gros les détails, tout ce qui est acuité visuelle. Qu'est-ce que toi tu vois à 30 pieds en avant de toi, moi je le vois à 6. C'est vraiment, c'est une maladie qui joue sur les couleurs, les contrastes. Je perds du champ visuel à terre, faut pas qu'il y ait un ballon à terre, je vais m'en manger dedans. J'utilise ZoomText, c'est un logiciel qui va sur PC. Ça fait tout, ça parle, ça a une synthèse vocale, ça grossit, je choisis les couleurs que je veux. Mettons, moi, je travaille toujours en mode inversé, un fond noir, écriture blanche, c'est beaucoup plus contrastant pour moi, ça me demande beaucoup moins d'énergie visuellement parlant. Je constate qu'on est vraiment en recul en arrière, parce que moi, avec les subventions, tout ça, plus ça va, plus le gouvernement nous coupe. Puis, j'ai la chance de travailler dans le village que j'habite, parce que mon chum peut me voyager, mais sans ça, je ne pourrais pas travailler parce que les transports adaptés qu'on a avant mon ancien travail, je pouvais voyager, mais là, si j'aurais eu encore ce travail-là aujourd'hui, je ne pouvais plus le faire parce qu'on coupait énormément sur les heures puis tous les trajets, tout ça, je peux plus me rendre où c'est que je veux. Moi, ça fait 3 ans que je suis là-dessus, le transport adapté, puis vraiment, ça fait depuis un an là, que ça... C'est des choses, je peux plus aller faire mon épicerie le soir toute seule. Avant, il y avait des heures, maintenant c'était de 6h le matin à 10h le soir. Là, c'est à 6h le soir, ça finit. Et quelqu'un qui travaille de soir, moi je travaillais de soir avant, je pouvais plus travailler là. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça qui coupent, les prix, les restrictions. Avant, si j'ai un travail à Saint-Ange, le village plus haut que nous, je peux même pas aller voir mes parents parce qu'ils font plus. Oui, c'est important la santé, l'économie, tout ça. Mais l'économie, à la base, c'est à partir des gens qui travaillent puis qui dépensent. Mais moi, je suis une personne qui veut travailler dans la vie, qui veut, mais je veux juste un petit... C'est de l'aide pour les gens qui veulent foncer dans la vie comme nous, les autres personnes ayant des limitations visuelles, de sourdité ou de mentale, ou peu importe la limitation, l'handicap que les gens ont. Moi, je trouve ça important que les gens qui veulent travailler ou qui veulent foncer dans la vie, qu'ils aient une chance.